Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur une nouvelle série d'épisodes sur Star Wars The Old Republic. Et aujourd'hui nous allons entamer la suite de quêtes planétaires de Taris. C'est parti. Vous partez pour Taris, madame? Je vous réquisitionne une navette sur le champ. La planète n'a pas eu autant de visiteurs depuis que Dark Malak l'a rasée il y a maintenant des siècles. Maintenant que la République reconstruit ses villes en ruines, le Conseil Noir est résolu à détruire la planète une bonne fois pour toutes. Taris sera aux mains de l'Empire. Bien évidemment. Je suis sûr que vous précipiterez notre victoire. Si vous êtes prête à partir pour Taris, votre navette vous attend. C'est parti alors. En route. Je suis prête. J'informerai le commandement impérial que vous êtes en route. Parlez au capitaine Elide si vous souhaitez prendre part au combat. Ok, merci. Merci, petit monsieur. Allons parler au capitaine Edid. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Hop. Voilà. Alors, je viens de débarquer. Et on a une autre mission. On va lui parler, bien évidemment. Colonel Surab, commandant de la 75e Légion. Prenez okay. note de cet instant, agent. Aujourd'hui, le puissant seigneur Vago vous fait l'honneur de vous inviter à le servir. En ce moment même, la République complote contre nous. Mais mon maître a vu clair dans son jeu, et il estime que vos talents nous seraient d'une aide précieuse pour anéantir notre ennemi. Mais service secret. Une telle opération doit être menée par les services secrets. C'est mon maître qui a découvert ce complot, personne d'autre. Nous avons déjà déployé nos troupes. Soit vous partagez notre gloire, soit quelqu'un d'autre le fera. Vous avez vu de vos yeux le pathétique effort de reconstruction de la République. Ils n'ont quasiment rien accompli, malgré les ressources colossales qu'ils ont reçues. Mon maître a établi que la République ne destinait pas seulement ses ressources à la reconstruction, mais aussi à l'élaboration d'une arme secrète. Et mon maître ne se trompe jamais. Et pourquoi moi? Parce que je passe par là. Je ne refuse jamais une mission, mais la situation requiert l'intervention de spécialistes. Le seigneur Vago a percé à jour l'objectif que poursuit la République avant l'invasion. Nous avons été déployés dans la zone pour y effectuer des recherches. Des commandos d'élite ennemis nous ont attaqués dès notre arrivée. Avec votre aide, nous percerons le secret de la République. Bon ben... Je vais accepter si je passe par là. Montrez-moi où ils se cachent et je saurai les débusquer. Un speeder vous conduira au camp de base de la Légion. Le seigneur Vago y supervise les opérations. Mon maître vous montrera la grandeur de sa vision et vous rejoindrez notre Légion pour l'honneur et la victoire. Ouais. Je vais éliminer toute menace pour l'Empire. Ok, très bien. Ah bah tant qu'on y est, hein. Ok, donc Vargo, ce sera là-bas, pas pour tout de suite. Non, c'est pas ici. Oui, je parle pas, je suis en train... Je me concentre, je viens de lancer, donc il faut pas que je fasse trop de bêtises. C'est le début, et ça fait quelques jours que j'ai pas touché, donc... Ça va, comparé à entre deux autres épisodes, ça peut aller, mais... Je suis le capitaine Elide, commandement militaire impérial. C'est bien. Votre arrivée n'était pas attendue. Le commandant des forces impériales souhaite vous dire un mot. C'est Allez. Gravus, le nouveau venu. Le Votre carrière impériale est exemplaire et parsemée de cadavres. Vous êtes l'agent idéal pour annihiler Taris. Ouais, blablabla. Bla bla. Allez. Pourquoi se battre pour un caillou ? C'est on ne peut plus simple. La République tente de rebâtir Taris. Nous sommes là pour l'anéantir. Si vous souhaitez servir l'Empire à mes côtés, détruisez l'artillerie de la République
qui attaquent notre base. Peut-être. On verra si j'ai le temps. Trouvez-le. Attaquez la République. Retrouvez-moi quand l'artillerie de la République sera en pièces. Alors nous discuterons de votre rôle dans le grand conflit. Allez. On accepte et c'est parti. Bon bah. Téléportation. Voilà, il faut que je trouve. Donc c'est ça le canon d'artillerie, très bien. J'en ai profité pour dépenser de l'argent sur niveau de Speeder 4. Parce que de toute façon, l'argent, bon bah, j'en ai pas grand chose à faire. Hein, mon arme elle est très bien, et ça coûte pas des centaines de milliers. Et donc je me suis... J'ai réduit, parce que ça m'évitera d'entendre dire « Ah, vous êtes presque 1 million !» Allez. Deuxième site. Ça va, c'est juste à côté. Hop. Ça va exploser, c'est pas grave. Est-ce que... Non, mais des zones comme ça, pendant que je farmais l'armure... Ah, j'en ai mangé, hein. Il y en avait partout, des zones comme ça. Hop. Tac. Et la dernière. Où est-elle, déjà? Elle est ici en dessous. Et c'est un peu plus conséquent comme protection. On va commencer par... Attaquer eux. Voilà. Ainsi on a la mission secondaire qui est validée. Et pour lui... On peut faire ça. Et retour au point de départ. C'est bon, je peux entrer? Bonjour monsieur. Bonjour. Eh. Wesh poto, je monte sur ta table. Allez hop. L'artillerie de la République est détruite, seigneur Gravus. Comme demandé. Bof, c'était chiant. Est en train de rebâtir Taris. Oui, tu me l'as déjà dit 5 fois, là. Cette planète deviendra bientôt un point de ravitaillement militaire et un symbole de la force de la République. Je suis de retour, maître. Je les ai tous massacrés avant de détruire leur artillerie. Quel récit bien. Fascinant. Malheureusement, le vrai destructeur de l'artillerie se trouve devant toi. Tanavesh, voici mon tout nouvel ami. Chassez encore sur mon territoire et je vous tue. Bon, si t'avais été plus efficace. Venez, j'ai hâte de voir ce que vous valez au sabre laser. J'arrive. Économise ta colère, Tana. Nous devons regrouper nos forces afin d'éliminer le chef militaire de la République, Gomorda. Il dirige un bataillon chargé de nous chasser de Taris. On peut chasser les chasseurs. Contrer l'attaque d'Orda à la source, c'est le meilleur moyen de l'arrêter. Nous n'avons pas le temps. Je vais l'attaquer directement et mettre un terme à cette menace. Tu vas te planter, tu vas mourir. Orda est trop puissant. Mieux vaut le priver d'abord de ses ressources militaires. Comme les troupes de la République sont peu nombreuses à cette distance de la base, Orda a armé les colons cathares pour nous attaquer. Les cathares sont déjà assez vicieux sans les armes de la République. Il faut les neutraliser. Bon, un génocide de plus. Les cathares ne passeront pas la nuit. Vous allez faire n'importe quoi. Laissez-moi les massacrer. Non, Tana. À cause de ton échec face à l'artillerie, tu auras une mission secondaire. Tiens, esclave. Maître. Je sens qu'on va pas être potes.
supprimer la menace Qatar. Nous pourrons alors vaincre Horda. Ah bah c'est parti. Ah, en attente, non. Merci. Donc là, j'ai aptitude de combat. J'ai un point à dépenser, c'est ça. J'ai reçu le point de 51. Alors, je peux choisir... Ça, c'est ce que j'ai déjà choisi, c'est ça. Alors, on va regarder ensemble. Une fois... changeant les effets... Non, ça c'est quoi. Et activer les grands camouflages concédaires. C'est ça. Réduit le temps d'utilisation de l'écran de camouflage de 30 secondes et permet de l'activer pendant... et activer l'écran de camouflage augmente la vitesse de déplacement de... Oui, ça, ça me paraît une très bonne idée. Ça me paraît être une très bonne idée de pouvoir l'utiliser plus souvent et qu'on puisse se déplacer plus vite. Et donc là, faut que je choisisse la bonne sortie. Sortie qui est... Je suis perdu. Ici. On s'en fout, gauche ou droite, c'est la même chose. Il y en a que 12, sérieusement? Et donc là, on approche du camp des colons. Très bien. Et les officiers. Ah bah super, il travaille avec une bête. Hop. Ah, ça compte en plus la bête. Hop. Oh là ça va faire plaisir. Hop. Il y en a 4. Et là, il y en a 2. Ça fera 12. Hop. Pas très efficace, hein. Et ma connexion non plus n'est pas très efficace aujourd'hui. C'est génial. Ça je prends. J'ai dit ça je prends. Ça y est, on va pouvoir agir maintenant. Voilà, ça se passe mieux. Qui en veut ? Retour à la base. Voilà. Heureusement qu'il existe la téléportation parce que c'est plus amusant. Vu le nombre d'allers-retours qu'on va devoir faire, je préfère être prévenant et l'utiliser régulièrement. Il faut combien de temps? Il faut genre 6 minutes pour que ça se rentabilise, donc ça devrait aller. Je suis déjà de retour. Les Qatars ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Que leur mort soit un exemple pour tous ceux qui seraient tentés de rebâtir Taris. Si seulement Tana était là pour admirer votre prompte victoire. Me voilà. Et j'amène de la compagnie. C'est la mère d'Horda. Je me suis bien amusée avec lui.
Il a fallu que je tue tous ses amis pour qu'il se décide à me parler. La douleur déforme la vérité. Il dirait n'importe quoi pour vous empêcher de lui faire mal. Votre sensibilité vous tuera, Sir Taris. Vas-y, soldat. Raconte ton histoire. Et sans gémir, cette fois-ci. Le commandant Horda a posté des walkers près de sa base. Ils attaqueront quiconque s'en approche. C'est tout ce que je sais. Pitié, laissez-moi partir. Je crois que tu vas partir. D'accord, d'accord. Les sondes ne peuvent pas repérer les walkers. Seuls les meilleurs agents d'Horda connaissent les coordonnées et celles-ci sont codées. Est-ce là tout ce que tu as trouvé, Tana? Un petit chefaillon avec des informations secondaires? Ces informations sont importantes, maître. Je vais attaquer la base d'Horda, puis anéantir ces walkers. Non. Détruisez-les avant qu'on lance l'attaque. Alors, Horda sera sans défense. La discrétion ne nous apportera rien de bon. Au contraire, Tana. Nous devons détruire les walkers d'Horda avant d'attaquer sa base. Pour les trouver, nous allons tuer les agents qui détiennent les codes des coordonnées. Ces hommes ont tué beaucoup d'impériaux. Alors, n'ayez aucune pitié. T'inquiète pas, je m'en occupe. Nos escadrons de bombardiers décimeront les walkers. Bon plan, j'aiderai peut-être. Pour information, vous accomplirez cette mission seul. Ah ben voilà. Tana, tu restes ici. Prépare-toi pour le combat avec Horda. Tu es décevante. J'ai perdu trop de temps à votre service, Gravus. Amusez-vous bien avec votre nouveau toutou. Oh, il suffit de l'abattre. Mon apprenti s'émancipe. Tana a un potentiel formidable. Elle se laisse trop envahir par sa rage. Je constate lui un bras. Qu'elle a abandonné son pauvre ami. Nous allons devoir nous en débarrasser. Non, non, pitié, ne me faites pas de mal. Je vous ai dit tout ce que je savais. Ouais, mais t'es dans notre base. Donc t'as tout vu. Bonne idée. Demandez à la République de libérer ses prisonniers contre lui. Et en attendant, ne le maltraitez pas. Bonne idée. Il peut constituer une bonne monnaie d'échange. Bonne, je dirais pas, mais... Puis transmettez les coordonnées des walkers au Major Nost, le chef du commandement des bombardiers impériaux. Il est déjà positionné à l'avant-poste. Parfait, alors. J'ai hâte de savoir que les walkers ont été détruits. T'inquiète, je m'en occupe. Allez. Allez. Super. Ah, mais on s'en fout, tu me donnes n'importe laquelle, c'est pas utile. Et nous voilà arrivés où doivent se trouver les gens que l'on doit abattre. Et on doit abattre, je ne sais pas qui, est-ce que c'est un agent de l'ombre? Il n'y a pas de... Alors ça n'en fait pas partie. Tac. Ah, c'est bien. En gros, faut tuer les ceux-ci. Plus qu'à en trouver assez pour les tuer, et puis... C'est-à-dire encore deux. Il y en a deux ici. Tac. Et voilà, ça devrait être suffisant. Insiste pas.
Hop, on se recule. Et il faut qu'on tue une petite troupe, ça devrait pas être trop compliqué. Genre ici. Hop. Nickel. Ah, on doit... Non. On va se mettre ici. Ah, on change d'endroit, super. Ah ben... Allons passer le bonjour au Major Nost. Hop, mission héroïque. Donc, on est sur place. Là derrière, c'est rien, c'est une mission héroïque. On ne va pas la faire. Et moi, il faut que je trouve l'entrée du bâtiment. Parce que je suis pas très malin. Ici. Y a-t-il là-haut? Je vais vérifier. Ouais. Major. J'ai les coordonnées des walkers. Dark Gravus veut qu'ils soient tous détruits. Avec plaisir. Le commandement des bombardiers impériaux ne déçoit jamais. Excellence, je transmets les coordonnées à mes bombardiers. Ils sont prêts à frapper les walkers d'Orda à votre signal. Excellent. Attaquez maintenant, Major. Pardonnez-moi, Seigneur Gravus. C'est votre apprenti. Elle a pris des forces impériales pour lancer sa propre attaque contre le commandant Orda. Oh là là. Fallait s'en douter. Merci, capitaine. Nous allons nous en occuper. Bombardez-la aussi. Tana est à la fois une force et une faiblesse. Elle va faire beaucoup de dégâts, mais ne peut vaincre Orda à elle seule. J'espère qu'il va lui faire mal de ma part. Sa douleur ne fera qu'augmenter sa rage et sa force. Tant mieux. La base d'Orda se trouve dans une ancienne station d'épuration. Détruisez ses défenses et trouvez mon apprenti solitaire. Ce n'est qu'ensemble que vous pourrez tuer ce chef de la République. Bof, pas besoin d'elle, hein. Je peux tuer Orda sans elle. Vous êtes vraiment aussi puissante? Prouvez-le. Tuez Orda. Et j'ajouterai une récompense spéciale si vous supprimez plus de soldats que mon imprévisible apprenti. Ok. Ça veut dire qu'il y a une mission secondaire. Qui va se cacher quand. Qui va s'activer quand on aura tué assez de monde. Allez, on prend un speeder. Et je vous reprends une fois qu'on est sur place. Itinéraire confirmé. Hop, on est arrivé dans ce camp-ci. On a une troisième mission qu'on va pouvoir activer. Allez. Regardez ça. Ces Rakghouls n'ont pas chômé. C'est le 9e corps que je trouve aujourd'hui. Encore un des nôtres, même si c'est difficile à dire au premier abord. Les Rakghouls ne sont pas réputés pour manger très proprement. Ah, mais où sont passées mes bonnes manières? Je suis Ethan Vok. J'étudie les techniques de chasse et les comportements sociaux des Rakghouls. Ok. Vous voulez dire que les Rakghouls peuvent communiquer? J'admets que leurs relations sont primitives, désordonnées et même violentes. Mais on peut trouver un message dans tout ce chaos ensanglanté. On doit toute cette okay. Partie à une souche mutante des Rakghouls que j'ai étudiée. Je les ai surnommés Rakghouls carnassières. Vous aurez deviné pourquoi. Non. Ça fait des jours qu'elles se cachent tout. Elles ont même détruit mon campement. Je m'en suis sorti uniquement parce qu'elles étaient trop occupées à étriper mes gardes pour me poursuivre. Négligent. Ça ne serait pas arrivé si vous aviez pris des précautions. C'est vrai. Je n'avais pas prévu un assaut si brutal. Ces carnassières sont inexplicablement agressives. Elles peuvent attaquer des convois impériaux, étriper des escouades entières, ou pire, les infecter. Chaque massacre augmente leur soif de sang et leur nombre. Il faut les exterminer avant qu'elles ne soient trop nombreuses.
Je vais faire ça quand je passe par là. Pour affronter les Rakgul, une tête coupée et ils paniquent tous. Il faudrait un agent expérimenté, comme vous. Faudrait changer de troupe. Ça a l'air dangereux, mais je prends le risque. Excellent. Leur repère n'est pas loin. Allez-y et tuez-les toutes. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais aussi que vous fassiez attention à votre stratégie contre les Rakgul. Cet appareil va analyser vos combats. Tuez-en le plus possible. Ces données seront très utiles à nos troupes pour contrer leurs attaques. Ok, très bien. Et ensuite c'est là, c'est ça? Ah bah très bien, on va s'occuper des Rakgul. Et ensuite, on ira faire coucou au seigneur qui est dans ce coin-là. Mais pour aller là, il n'y a pas un chemin plus court. Ok, bon. Je vais prendre le taxi. Enfin, je vais faire le taxi et je coupe jusqu'à ce qu'on ait traversé le chemin. Ah, voilà. Juste derrière, on a quelques agents de la République. Mais le plus important... Une première Rakgul carnassière. Voilà, et de une. Et de deux. Et il faut tuer aussi. Bon, ça va aller. Ça devrait pas être trop dur. Il faut venir aussi tuer quelques Rakgul. On va rentrer là-dedans, et si on n'a pas là-dedans, tant pis. On en trouvera au retour. Il y en a ici. Et ensuite, bah, c'était pas le seigneur ici. Voilà, bon bah on sort. Je pensais qu'il y avait le seigneur, la mission avec le seigneur machin chouette ici, mais je pense que ça ne l'est pas. Si on regarde la carte, c'est là-bas. Mais on va revenir ici, et puis on ira là-bas. Et puis seulement, on s'occupera de ça, de lui. Allez. Balance la thune. On dirait que l'offensive des Rakgul a enfin été arrêtée. Les opérations impériales commencent déjà à récupérer les territoires perdus. J'en ai tué 4. Hein. Vous avez les données que j'ai demandées. Splendide. J'espère juste que nos troupes pourront apprendre à affronter les Rakgul aussi bien que vous. Ouais. Mission accomplie. Facile. Dommage que les Rakgul n'aient pas dirigé leur férocité contre la République. Leur oh, t'inquiète que si. Bien utilisé. Aurait pu s'avérer très utile. Je pourrais peut-être continuer mes études en paix. Évidemment, il me faudra de nouveaux sujets. Allez, on va aller trouver le fameux chef ennemi, alors. Qui, si je le crois, se trouve au bout de ce chemin. Hop, bien évidemment, hein, on va tous les tuer. Vu qu'on doit en tuer plus que l'apprenti, on va nettoyer la route.
Hop. Easy. On se prête au jeu, bien évidemment. Mais probablement que les troupes qu'on a tuées ne comptaient pas dans le total. C'est pas grave. On va tuer tout ce qui reste à l'intérieur. Voilà, il faut en tuer 10. Super. Ouh, elle est trop puissante, ton apprenti. C'est-à-dire qu'on a tué moins que 10. C'est-à-dire que moi, j'ai tué tout ce qui reste. Hop, ici. Coup de couteau. Ensuite ici. Tout le monde dehors. Je vais vous montrer mon arme. Hop, celle-ci, c'est fait. Il y a encore du monde, il y a encore du monde. Allez. C'est nettoyé. Pièce suivante. Ah non, pas pièce suivante. Le droïde. On l'attaque. Apparemment, le gaz fait du dégât au droïde, donc... Voilà. Il y a quelque chose à faire? Bah oui, bien évidemment. Et là, il y a encore du monde. Sérieux? C'est trop puissante, dis donc. Franchement, si j'avais du temps, je regarderais le spectacle. Waouh. Qu'est-ce que vous faites là? Horda est à moi. Hop, merci. Je suis honoré que l'Empire envoie son élite à mes trousses. La République n'échouera pas. Taris se relèvera. Ça fait quelques siècles que Taris doit se relever. J'en ai assez entendu. Adieu. Sortez, mes amis. Exterminons cette vermine. Encore? Pour la République. Ouais, c'est ça, pour la République. Hop. Détruire Taris. La République est trop forte. Oh, ma tête. Kuba, Horda. Si vous ne le tuez pas, c'est moi qui le ferai. Il est à moi. Ou alors, non, on l'emmène. Horda est mon prisonnier. Nous allons le cuisiner pour qu'il nous renseigne sur les défenses de la République. Je ne vous dirai pas un mot. Merci de l'avoir fait taire. Gravus ne va pas apprécier votre clémence. La violence n'est pas toujours le bon choix. C'est ce que vous croyez. Allez, Horda, l'interrogatoire vous attend. Le voyage promet d'être amusant. Allez, quittez le carrefour. Pas le temps de bavarder, agent. Voyons voir, hein, je vais pas... Vous laissez là tout de suite, vu qu'on nous dit de quitter le carrefour. Je quitte la région. Et je quitte Trash. C'est ça le carrefour en gros. Allez, vu que les troupes devant sont réapparues.
Allons-y. Horda est vaincu. Je l'ai terrassé, puis j'ai dit à Tana de le ramener pour l'interroger. J'espère au moins qu'il sera utile. Bon. Tana m'a contacté après votre accrochage. Elle voulait me donner les détails de son bain de sang. Mais malgré ses efforts, vous avez tué plus de soldats de la République qu'elle. Quelle surprise! Quel carnage mérite d'être reconnu. Je savais que ça va être. Je sais ce que je fais. Une telle assurance vous sera utile sur Taris. Horda maintenant hors circuit, je vais enfin pouvoir utiliser la puissance de l'Empire pour détruire cette maudite planète. La République organise une résistance dans les anciens égouts. Nous devons faire avorter cette tentative pathétique avant de continuer. Allez voir Melkor Din à l'avant-poste. Aidez-le à massacrer les créatures mutantes qui vivent dans les égouts. Et méfiez-vous de Tana. Je doute qu'elle apprécierait de vous croiser. Hop, et donc ici. Nous, on va aller là-bas.